Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, donc euh, voici la, la capsule vers la, la session 2. Alors tout d'abord je voulais euh, m'excuser. Je suis désolé pour les problèmes techniques de la session 1. Euh, je les ai constatés après après coup aussi. Donc j'ai vu qu'il manquait euh, il manque la moitié de, de la session. Il y avait des images qui se figeaient. Euh, donc je suis vraiment désolé pour tout ça. Euh, J'essaye de, de remédier à, à tout ça en en prenant conseil. Et là-dessus, je, je tiens à remercier la communauté de, de magnétorolistes, et en particulier Aki Hellfire, Mathem aussi, qui m'ont donné de, de, de beaux conseils. J'espère que ça va, ça va aider. Et puis également zex de citron aussi, qui m'a donné quelques conseils. Voilà, donc je les, je les en remercie. Euh, ça me fait m'interroger aussi sur, sur le fait de continuer le stream, pour l'instant je pense que ma machine n'est peut-être pas adaptée pour ça, en tout cas streamer et enregistrer, donc je, je, vais voir si, je vais faire quelques autres tests cette semaine pour voir si, si je peux continuer ainsi. Euh, donc, euh, petite parenthèse sur, sur la chanson qu'il y a dans le, la session précédente. C'est une chanson, c'est une traduction hein, d'une chanson qu'on trouve dans l'Alexander Remix, euh, avec, euh, donc, qui a été écrite en anglais par euh, euh, un certain Hervé Stroway38. Et donc, j'ai traduit les paroles et je l'ai euh, mise sur euh, un chant traditionnel. Voilà, je, je souhaitais le préciser. Euh, donc voici maintenant un résumé de ce que vous avez loupé. Alors, euh, vous avez laissé, vous avez laissé donc, euh, nos aventuriers euh, dans le portail béant. Je vous propose de les retrouver là-bas. Allons-y. Donc voilà, ils étaient dans le, le portail béant en compagnie de Volo qui leur a proposé un manoir pour 1000 pièces d'or, euh, l'offre était intéressante mais euh, il n'avait pas les fonds et donc Volo euh, leur a dit que peut-être que Floun avait une, une idée mais malheureusement il n'est pas là donc il leur a demandé de, retrouver, de réfléchir à sa proposition, de retrouver euh, Floun euh, pour voir euh, quelle idée il avait derrière la tête et de le retrouver le lendemain au même endroit à midi pour rediscuter de tout cela. Donc les, les personnages ont quitté euh, le, le portail B1 et sont allés, euh, se sont rendus à, à chez Bonifacio, donc euh, auprès euh, de, de Sérinde, sa compagne, qui euh, qu'ils ont informé un petit peu de, de tout ce qui se passait. Euh, ils lui ont expliqué un peu comment s'était passé la, la, le, rend, le rendez-vous avec Volo. Et euh, elle a soigné euh, le gobelin, le, elle a soigné Fiz euh, Et ils sont ensuite euh, repartis vers les quartiers du doc, puisque Volo leur a dit que il avait passé la soirée avec Floun au dragon embroché. Donc ils sont allés au dragon embroché, qui ressemblait à ça. Ils sont allés au Dragon Embroché, une petite taverne. Voici. Et ils, euh, ils ont discuté avec le, le tavernier euh, qui leur a révélé qu'effectivement, euh, Fou n'avait passé la soirée là avec Volo. Et euh, ensuite, il avait été rejoint par euh, un. Un noble, plus exactement euh, Renaer euh, Neverambre, le fils du précédent seigneur manifeste Dagult Neverambre. Euh, fils s'est rendu compte que euh, certaines personnes étaient en train de les observer, de les écouter, euh, des deux individus du Zentarim. Donc ils ont écourté euh, la rencontre et ils sont partis en direction du manoir Neverambre pour, pour voir un petit peu si, euh, si Floun et euh, Renaer s'y trouvaient. Donc ils ont traversé toute la ville. Et euh, ils sont arrivés dans le quartier maritime, qui est un peu le quartier huppé euh, d'eau profonde. Et là, ils ont, euh, ils, se sont, euh, ils ont rencontré une patrouille. Ils ont rencontré une patrouille qui euh, leur a dit, euh, leur a demandé ce qu'ils faisaient là, et donc ils ont expliqué un peu les raisons de leur visite euh, dans, dans ce quartier. Et la patrouille les a accompagnés au manoir Nevers Là, ils ont appris que euh, ni Floun, ni Renair ne se sont présentés. Euh, et donc, euh, ils n'ont pas retrouvé encore leur euh, leur contact. Euh, ils se sont donc là. Bonifacio est parti euh, se coucher pendant que les autres euh, sont partis à la recherche de Yagra. Yagra euh, point, point de fer qu ils, qu ils avaient point de pierre qu'ils avaient rencontré euh, un peu plus tôt. La voici. Et euh, afin de la, la questionner, donc ils l'ont retrouvée dans, dans une taverne non loin du portail béant, la Chope d'Azut, où euh, la, la demi-orque euh, avait consommé pas mal d'alcool. Ils en ont profité pour, pour la faire parler. Ils ont appris, appris euh, qu'elle travaillait pour... Euh, qu'elle était garde du corps pour un, un des chefs du Zentarim, un certain David le Champ d'Étoiles et qu'il y avait des tensions entre le Zentarim et, et la guilde de Xanatar, car euh, apparemment l'une des factions aurait volé quelque chose à l'autre, et que ça tourne autour de ce qu'ils appellent l'énigme de Neverembre, quelque chose qu'aurait qu laissé le, le précédent Seigneur Manifeste, et qui, atti, qui attise la, la convoitise de, 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 de ces deux factions. Euh, cependant... Euh, euh, a, a essayé euh, de pousser un petit peu l'interrogation, euh, Fiznir, donc a essayé euh, de, de la questionner davantage là-dessus, et euh, elle, a, elle a senti qu'il essayait de profiter d'elle et il a commencé, à, elle a commencé à s'énerver, à vouloir le, le frapper. Donc elle, il a réussi à esquiver euh, ses coups, elle est, elle est, tombée, euh, elle est tombée inconsciente, euh, euh, terrassée par l'alcool, la, euh, et ils en ont profité pour s'éclipser et la laisser là. Ils se sont retrouvés le lendemain. Le lendemain euh, chez Bonifacio et ont décidé euh, donc de retourner au Dragon broché euh, pour euh, interroger de nouveau le tavernier et donc euh, de nouveau en, en le lui, proposant de, de l'or, euh, il ils ont appris cette fois-ci car il n'y avait plus les, les deux les deux membres du Zentaring qui étaient là euh, la taverne était vide ils ont appris que euh, quand les deux quand Floun et ont quitté euh, la taverne ils étaient suivis par des ils étaient suivis par des, 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 des personnes du Zentarim. Et donc ils pensent qu'il leur est arrivé quelque chose à cause de, de, de ces gens-là. Il leur a appris également que le Zentarim possédait un entrepôt non loin de là, qui est utilisé pour les activités criminelles, un entrepôt qui se trouve à l'allée de la Chandelle. Donc ils se sont rendus de suite à cet entrepôt. Euh, là, euh, Fiznir a écouté un petit peu à la porte. Il a entendu qu'il y avait du bruit, des gens qui bougeaient des caisses. Euh, Zachary a fait le tour et a trouvé un, un serpent ailé mort, tué d'une flèche dans, dans la cour euh, arrière. Et il s'est posté là. Euh, euh, Mac est monté sur, euh, sur un des toits et il couvre ses camarades à, à distance pendant que Bonifacio se charge de, de, de faire la liaison entre, entre tous. Donc voilà où je les ai laissés lors de la fin de la session 1. Donc voilà, j'espère que, que la session 2 pourra être enregistrée complètement. Euh, donc je, je vous donne rendez-vous jeudi pour la suite de, de ces aventures, euh, en espérant que tout ça se passe bien. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.